Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je continue sur ma lancée de présentation de jeu qui se dit GTA Mobile. Aujourd'hui, on est plus sur une version GTA Online et le jeu, c'est Vice Online. Ouais, j'ai dû regarder parce que je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton like si ce genre de vidéo te plaît, à me dire dans les commentaires, une fois que la vidéo est terminée, qu'est-ce que tu penses réellement de ce que tu as vu et est-ce que tu as envie d'aller tester le jeu? Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, bien sûr. Donc les petits potes, voilà Vice Online. Je l'ai pas encore démarré. On va aller en guest, je pense. Let's go. Ok. Allez, vas-y, on se connecte en guest. Ouais, on accepte tout. Choisir la tête de son personnage. Femme comme homme. Femme comme homme, ok. La tête change pas trop. La couleur de peau. Ok, on va mettre un petit P. La coupe de cheveux. Crête, coupe classique, chauve. On va lui mettre celle-ci. Hop, nickel. On est pas mal là. Y a du son ou pas? Y a du son. Ok, on va baisser. Y a du son. Coupe de cheveux vert, c'est pas mal, non? Cohérent en vrai. Hein. On verra plus tard, peut-être qu'on peut modifier après. Pourquoi je reste bloqué sur une coupe de cheveux, moi? Je suis fou. Hop, on va rester là, nickel. La tenue. Un haut, t-shirt, sweat. On va mettre un sweat. Bas, pantalon, shirt, pantalon. Attends, les baskets, les baskets. Claquette, basket. Ok. Entrée, your name. Ok, moi c'est Psytrag. Y, comme d'hab, hein, les gars, on change pas. Avatar. Je vais prendre lui, ça correspond un peu dans le même délire. Accept. Ok. Bon, déjà on est directement dans le menu, il nous propose directement d'acheter quelque chose, un pack à 8 €, qui normalement est l'équivalent à 33 €. À mon avis, il y a une voiture, des tenues, des baskets, des armes, des kits, des gilets pare-balles, des emotes et 50 000 $. On commence avec 25 000 $. Wow, ok. Get to shop. Ah oui, il nous envoie directement dans le shop pour voir comment ça se passe. Ok, petite Fiat, petite Golf, un Jeep, Mini, ok. Oh l'audi, 250 000 à coûte, sympa, petite Tesla, les graphismes sont sympas en vrai, je suis même pas encore entré dans le jeu, je sais pas encore m'attendre, peut-être que ça va faire un flop, je sais pas. Ok, free, ça m'a l'air des trucs gratuits en regardant des pubs. Ok, véhicule, donc là on l'a déjà fait, avion, donc il y a les hélicoptères. Mais attends, il y a même l'animation de quand il rentre les roues, l'avion, ou je rêve? Ok. Attendez. Water. Il y a aussi bateau. Ok. Jet ski. Ok. En termes de tenue, qu'est-ce qu'il nous propose? Des bonnets, ok. Sympa le bob là, j'aime bien. J'aime bien. Skate, ok. Body, en termes de haut, ok. Putain, mais ils sont vraiment stylés les sapes en vrai. En vrai de vrai. Eh, cette tenue, elle est dans GTA RP. Dans certains serveurs alliés. Et un costume. Et pantalon, j'imagine que ça va être pareil. Shoes. Est-ce qu'ils ont mis des grosses paires de Nike? Les mains, ils ont mis des Nike, ils ont mis des éclairs. Oh! Elles sont sympas celles-ci. 37 000. Ah oui. Accessoires. Il y a aussi des lunettes. Masque à gaz. Ok. Des cagoules. Des masques pour le Covid. Ok, nickel. Des tenues complètes. Ok, carrément. Là, il faut regarder 5 pubs pour débloquer celle-ci. Ok. Des armes. Donc là, du coup, il y a une flopée d'armes, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de jeu comme ça à sentir? Équipement. Donc là, du coup, il y a du heal. Répare kit. Ah, c'est pour réparer son véhicule. Le jeu est vraiment complet. Du coup, j'ai les pare-balles. Et émoticône. J'achète. Ben, j'achète un truc. Hein. Ok. Ok, sympa les emotes. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là où il y a le Discord, les paramètres. Du coup, moi, tout est en ultra. Pas de soucis. L'audio. Chat vocal. Oui, parce qu'il y a un chat vocal en jeu. On va le mettre à moitié, on sait jamais. Contrôle, on verra ça après. Ok, bon, vous savez quoi, on va aller voir. A priori, il y aurait 5939 joueurs de connectés sur le jeu. Ce serait ce que le jeu nous indique. Player online. A voir. Moi, j'ai pas d'amis, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Je suis level 1, forcément, parce que j'ai pas encore essayé. Il doit y avoir des missions, il doit y avoir tout ça, je pense. Ouais, c'est ça, daily trake. Ok, donc là, il y a des missions à faire, et après, tu débloques une caisse. Ok. Bon, vous savez quoi, on va aller voir tout ça. Je vais pas regarder de pub parce que c'est pas mon délire. Let's go, Beastie Fly. Donc là, on est plus sur un GTA Online et pas GTA RP, ok. Peut-être que ça pourrait arriver. Hein. Ah, c'est les emotes.
Ah, je suis en l'air. Mais trop stylé. Ok. Voir si je saute. Ok, on peut mettre la course automatique. Attends, en vrai, la ville, elle est vraiment pas mal, hein. Est-ce qu'il y a du monde? Ok, on voit les points blancs. Ça, c'est des joueurs, ça. Ah, il y a du monde là de connecter. Hein. Je suis où, moi? Où est-ce que je suis? Ah, je suis juste ici. You. Ok, il y a du monde à gauche, ici. On va aller voir. Et on va aller les voir. De toute façon, je vais me faire friquer, là, qui sait. On va augmenter le son du jeu, on sait jamais. Pas sûr qu'il y ait des Français. Hein. Donc là, normalement, si je parle en mode 1. Ah, il y a un peu bloqué le micro. Ça c'est cool, et contrairement à un autre jeu, ça coupe pas le son du jeu. Et ça c'est cool. Et donc là, du coup, là j'ai le micro qui est bloqué, donc tout ce que je peux dire on m'entend. Et là je serai plus dessus, c'est le coup. Ok. Mon téléphone chauffe pas pour le moment. RAS, safe zone, nickel. Ça c'est cool d'avoir mis la safe zone. Ah, c'est un job ça? Attends, un truc que j'ai pas compris là. Start job. Bah ouais, carrément. Hein. Attends, quoi? Ah, donc là, je fais un job. C'est du RP ou c'est du online? Il y a un gars là. Joker, il s'appelle. Ah oui. Viens, on va aller sur le point. Il y a des sirènes ou pas? On l'entend pas trop, hein. Je sais pas vous, mais. Ouais, si, il y a un léger son. Il y a un léger son, je l'ai pas augmenté à fond. Des fois, selon les jeux comme ça, les bruitages sont horribles. Mais là, ils m'ont pas l'air d'être dégueulasses. Donc là, en gros, je fais la livraison. Ok. Mais c'est la Brinks, ça, ou c'est un truc de livreur? On dirait un camion de Brinks. Dark World. En haut à droite, il y a la vitesse. J'aime bien. Les rues sont pas dégueulasses en tout cas. Les graphismes non plus. A voir si sur un petit téléphone, c'est la même galère. Vas-y. Allez, on va sur l'autre point. Je sais pas, il y a combien de points. En tout cas, pour le moment, je croise personne. En tout cas, on voit qu'il y en a certains qui se font tuer. Hein. Vous le voyez pas, du coup, c'est derrière ma caméra. Mais d'ailleurs, juste derrière, il y a écrit Wanted, nanana. Killed, nanana. J'ai à droite là. Ok. Gauche. Gauche, nickel. Supermarket. Let's go. Quoi? C'est pas fini! Mais il y a combien de points? Il y a combien de points? Putain! Il y a un joueur juste ici. On le voit en haut sur la carte, le point blanc. J'aimerais juste savoir quand est-ce que ça se termine pour que je puisse découvrir autre chose là. Mais à mon avis, vu qu'il y a des trucs légaux comme ça, il doit aussi y avoir des trucs illégaux, je pense, des missions illégales, il faut les trouver. Je me suis pas encore renseigné. Pacifique. Magasin de vêtements, ça. Ok, nickel. Donc là, j'ai collecté 17 000 sur 17 000 dollars. Donc là, en gros, j'ai 17 000. En gros, je peux me faire braquer, ça veut dire. Les joueurs peuvent me braquer, non? Dans la logique. Et donc là, j'ai l'impression que c'est fini, que c'est le dernier point. Ma conduite est vraiment phénoménale quand même, hein. Qu'on se le dise. J'aimerais bien garder le véhicule après. Ok. C'est bon, je suis dans le point là. Ça tire, ça tire. Aïe. Faut que je sorte. Je vais ressortir, hein. Ok, c'est bon. Il y a un gars là. Premier job. Wesh, wesh. Là, il s'est fait tuer. Il va me tuer. No my friend, no my friend. No 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 no. No my friend. Please. Brian. Yeah, boy. Hey boys. What's your name? Brian. Est-ce que j'essaie de le coucher avec le poing? Vas-y, attends, je vais essayer de le coucher avec les poings. Viens là, Brian. Ah! No no. Where is Brian? Je te jure, je vais essayer de le coucher avec les poings. Ok. Midlife. Ah. Oups. Ok, je me suis fait free kill. Tout va bien. Après, tu me diras, j'ai free punch. Hein. Hop. On va voir si on peut pas s'acheter un petit véhicule en vrai. Voilà. Ah bah. Ok. Mon prochain porros. Hello. Go back. Go my friend, go 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 go. Come on, come on. Oh, ça me l'a fallu pour mon Vas-y, me braque, frère, dégage. Bouge tes fesses. Hey, 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 hey. Hey. Ok, j'ai gagné. Mission complète. Ah, c'était une mission, ça? Ok. J'avoue, y'a quoi comme mission à faire en vrai? Hey, je suis passé level 4. Let's go. 200 XP. Hey, j'ai du monde là. AFK. Ah, donc le jeu te dit quand les gars sont AFK. Ok. Ça, c'est le truc de la banque de tout à l'heure, ça. Ah non, c'est taxi. Oh, bah, c'est taxi.
Est-ce que je peux fermer mon véhicule à clé? Non, je veux juste descendre et fermer à clé mon véhicule. Peux pas? Peux pas. Ok, pourquoi pas. Taxi, job. Et arrête de courir. Let's go. Je deviens un taximan. Pa pa pa. Ok. Donc là, j'ai 2 minutes pour faire le job. Bon, déjà, ça roule un peu plus vite que le véhicule du Brinks. Attends, c'est où je dois aller? Ah, c'est là-bas, il y a le client. Il est là, le client. Coucou, monsieur. Je suis là. Vas-y, montez. Let's go. Parfait. Vous allez bien? Tranquillez-vous. Le mec, il parle à PNJ au calme. En vrai, ce jeu a du potentiel, hein, de ce que je vois. Après, bon, voilà, les free kills et tout, c'est pas ouf. Ah, regardez, il y a un joueur devant. Il fait le truc de la Brinks. Ok, et a priori, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que là, pour éviter que ton téléphone surchauffe et tout, il y a un truc de distance. Et si le joueur est loin, son véhicule n'est pas chargé. Et ça, c'est bien, parce que ça évite que ça fasse trop d'informations à charger. Voilà, monsieur, on est arrivé. À très vite. Vas-y, prochaine course, hein. Donc là, je suis à 26 000. Ok. On va prendre le téléphone et on va regarder ce que je peux m'acheter. Attention! Hop là! Est-ce qu'il y a des dégâts sur les véhicules? Pas trop de dégâts, hein. Mince. Hop, on va couper à travers. Balayuk. Coucou! Je suis là, messieurs, vous pouvez monter! Voilà! Allez, go! Ah, je vais croiser un joueur dans 3, 2, 1. Non, je l'ai pas croisé. Il a tourné à gauche. Ah bah ça tombe bien, il y a un truc de voiture juste à côté. C'est parfait, on va s'arrêter là. Il va couper à travers. Hop. Nickel. Dérapage contrôlé. Voilà, messieurs. À très vite, hein. Vas-y, on va arrêter le job. Ah, ça me fait descendre du véhicule. Est-ce que je peux monter dedans? Non, je peux pas. Ok. Tant pis. Là, une nouvelle fois, il y a un truc de Fiat. Mais je veux pas une Fiat, moi. Faut aller dans le menu? Non. Shop. Voilà, nickel. Alors, véhicule. Qu'est-ce que c'est? Ouah, c'est quoi les prix? Ouais, non, mais il n'y a pas des véhicules moins chers, genre? 250 000. Non, mais ils abusent, là, ils abusent. Je vais acheter un bateau. Mais par contre, pourquoi il n'y a pas des véhicules genre à 20 000? Ah, il y a la Fiat, mais... Faut arrêter des pubs pour celle-ci. 50 000. Ben ouais, non, mais j'ai pas assez. Il y a quand même beaucoup de joueurs, a priori. Ah si, il y a le nombre en haut à droite. On est 17, là, de connectés sur ce serveur. C'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Il y a tous les jobs. Il y a deux mecs ici. Tu sais quoi, on va aller là-bas. On va aller voir ce que ça donne là-bas. On peut mettre un point sur un GPS. On peut mettre un point sur un GPS. Let's go. Eh, vas-y, je vais prendre ça. T'as imaginé juste 30 secondes du RP sur ce jeu en vrai de vrai. Ça pourrait passer, hein. Une nouvelle fois, je vais essayer d'envoyer un mail au développeur, hein, qui sait. Medical kit, ok, donc là c'est pour acheter des kits de santé. Donc là je suis censé être à 104. Ouais, j'irais plutôt à 50-70. Mission completed. Ils appellent ça des vice bugs. Ah ouais, c'est un peu inspiré des V-bugs, ça, non? Un tout petit peu, hein. C'est quoi le classement à droite là? Il y a un classement 7, 2, 1. C'est le nombre de kills ça? Non. Rassure-moi, c'est pas le nombre de kills. Oh, le garage. Stylé. En tout cas, le plateau est assez grand. Après, moi j'ai tout mis en ultra, hein, donc à voir ce que ça donne en low. Par contre, c'est écrit kill as much as you can. Si quelqu'un peut me traduire ça en français, ça pourrait m'aider. Hein, parce que là... Alors là. Donc là c'est une mission. Genre là, faut passer à 200. Allez là, on est à combien de mètres? Ça me dit pas là combien de kilomètres? Si. On est à 200 mètres. Let's go. Par contre, c'est dommage, on peut pas mettre l'accélération automatique comme la course. Vous savez, bloquer l'accélération. On est obligé de rester appuyé, ça c'est chiant. Par contre. Ok, donc là on est dans le désert. On va regarder ce qu'il y a. Hein. Il y a des bâtiments là-bas, on va aller voir ce qui se passe. Hein. En vrai, je suis même pas surpris qu'il y aurait 5 000 joueurs. Si le truc est bien carré et qu'il n'y a pas spécialement de bugs, bah en vrai c'est que du plus, hein. C'est un job où en gros tu fais du chantier, quoi. Là, on est vraiment dans du RP, on n'est pas dans du online, hein. Vas-y, je peux sauter là.
Ok. C'est quoi ça, gate? Ah, c'est pour gagner de l'argent, tu regardes des pubs. Oh, ouais, ils abusent. Construction. Ok, start une job. Je vais où? Non, 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 je dois aller où? Je dois aller là-bas. T'es malade, chop! Stylé. Petite partie vocale. Ok. En fait, là, je suis en train de découvrir les jobs, en fait, c'est tout, hein. Mais c'est-à-dire qu'il y a une diversité de jobs? Pourquoi ils appellent ça online? Je sais pas, ils pourraient peut-être appeler ça RP au final. Parce que j'ai l'impression qu'il y a du farm. Bon, certes, il n'y aura pas spécialement de RP, mais. Ah là, on entend bien plus le Camtar, hein, je vous l'annonce. Bienvenue sur Euro Truck Simulator 2044. Mobile. Ok, donc là, je suis la chargée. Let's go. Oh, genre, il y a le sable dans le coffre. Enfin, dans la. Comment ça s'appelle? Ah! J'ai pu. Ah, mais attends, c'est ici que je dois aller? Ah, mais c'est nickel en fait. Je suis tellement con que j'ai même pas fait attention où j'allais. Ouais, il me fait aller à l'opposé de la ville là, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, ça me fait découvrir les bâtiments. Et je pense que je vais retirer ce que j'ai dit tout à l'heure de ma bouche en disant que c'était du online. Hein. On dirait surtout du RP qui n'est pas exploité, mais on dirait surtout un jeu de RP. Hein. Et il y a des mecs qui farment, il y a un autre mec là-bas, il farme aussi. En vrai, je crois vraiment que vous êtes vraiment pas obligé de mettre de l'argent dans le jeu pour avoir de l'argent. Hein. Je crois vraiment que si vous farmez, vous pouvez vous acheter le truc que vous voulez. Hein. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de jobs à faire. Et en soi, ça va, ça reste quand même rapide, qu'on se le dise. Regardez, les bâtiments sont stylés en vrai. Hein. Je crois que je suis passé à côté de quelque chose. Bon, après, le jeu, il est pas non plus très vieux du tout, donc. J'aurai plein de trucs à découvrir. Ok. Dis-moi, je fais les 100%. Nickel, c'est bon, 100%. Allez. Dernière ligne droite. On va couper à travers. Regarde. Ça, c'est du RP, ça. Hop. Voilà, nickel. Et là, on fait une ligne droite, genre comme ça, tu vois. Hop. Voilà. Nickel, ça passe. Comme sur des roulettes. Ah, 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 ça passe. C'est bon, nickel. Rise. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Let's go! Finish job. Bah, bah, bah. Vite fait, retourner voir les bâtiments. Parce qu'en vrai, les bâtiments étaient stylés. C'est bien, les bâtiments, c'est pas les mêmes. Ils sont tous différents. Ça mérite d'aller descendre et d'aller voir. Hein, je vous le dis. Ouais, on va visiter. Hein. Est-ce qu'on peut passer au-dessus des murs? Ah! Bon, au moins, c'est fonctionnel. Le mur, on peut pas passer à travers. L'eau n'est pas texturée. Ok. Je te mets ton sympatoche. Attends, on va aller voir celle là-bas, là. Puis il y a une terrasse en haut. Ok. Là, j'imagine qu'on peut passer à travers aussi. C'est une piscine. C'est là que je peux rentrer à travers. Non, je peux pas. Dommage. Là-bas, là. Est-ce qu'on peut passer au-dessus du mur? Ok. On peut grimper. Let's go. Alors, les maisons, elles ont toutes un point commun. Mais c'est pas les mêmes maisons. Genre, le mec, il a pas fait simplement un dupliqué, tu vois. Challenge is over. Hein? What the heck? Ok, je suis déjà level 6. Bientôt level 7. Tout se passe bien. Mon téléphone ne chauffe pas, point positif. On va aller voir l'autre quartier, parce que j'ai l'impression que c'est différents quartiers, tu vois, ils ont différentes atmosphères. On va couper à travers là, ça passe, 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 ça passe. Top fuel, station essence. Il y a vraiment aussi un truc à faire avec ce jeu, quoi. Non mais regarde ces bâtiments, genre. C'est dommage que je puisse pas réellement tester le chat vocal avec des Français pour voir comment ça fonctionne, s'il fonctionne bien ou pas. Ok, donc là les barrières on peut pas passer à travers, par contre les buissons, oui. Ok, on peut sauter à travers, on peut sauter, nickel. Bon, les gars, en vrai de vrai, ce jeu, bah, je l'apprécie. Je trouve qu'il a du potentiel. Je vais essayer de l'explorer, je vais essayer de voir s'il y a des trucs à faire, à vous présenter d'intéressant, genre comment peut-être se faire de l'argent, l'illégal, s'il y a de l'illégal, les missions, comment ça se passe. N'hésitez pas à m'ajouter, n'hésitez pas à venir sur mon Discord, comme ça je vous dirai quand je suis sur le jeu, comme ça on fera peut-être des sessions entre français. Et voilà quoi, regarde-moi ça, on peut passer en dessous? Nickel, on passe en dessous. Et là, on ressort. Je trouve qu'il y a un truc à faire avec ce jeu. Et. Pizza Mars. Ah oui, il y a clairement des trucs à faire. Regardez. Supermarket. Il y a clairement un truc à faire avec ce jeu. Donc, les gars, ce que je vous propose, moi, c'est que j'arrête la vidéo maintenant. Et qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ce jeu, normalement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, comme ça on pourrait en parler. Et ceux qui connaissent déjà le jeu, peut-être pour vous montrer plus de trucs. Mais en attendant, n'hésitez pas à lâcher votre like si c'est pas déjà fait et si cette vidéo vous a plu. À me dire dans les commentaires si vous comptez essayer le jeu.
qui s'appelle une nouvelle fois Vice Online. Pourquoi j'ai levé les bras là? Il y a un petit problème, vraiment. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag. Bye bye.